Ok, puis après, ça dit qu'il faut faire quoi? Faut détruire la carte? Genre, pour de vrai, là? Genre la déchirer? Mais est-ce qu'il est écrit dans le jeu qu'il faut la déchirer? T'es sûr? Donc, ce jeu-là que t'as amené, il a gagné le speed ou l'os d'or? Ni un ni l'autre. Steve, tu connais la politique, t'amènes pas un jeu chez moi s'il a pas gagné de prix. Ah. Ok, genre, je la sors du jeu. Non, la détruire, la déchirer. 150 $ pour Nemesis. Je sais, vraiment pas cher, hein? Mais t'es sûr qu'il est écrit déchirer? T'es sûr? Non, mais ça me dérange pas. C'est juste un jeu, c'est pas grave. Mais je veux juste être sûr. Donc, déchirer. Ok. Ouh. Ouais, je sais que j'ai payé le double pour la version Kickstarter, mais j'ai des pièces en métal. Non, moi, j'ai pas de pile de la honte. Non, non. Pff. Par contre, ça, c'est mon étagère de la honte. Non, c'est bon, je vais le faire, là. Arrête, là. Tu me déconcentres. Mon précieux. Hey, les gars, faut que je vous raconte ça, OK? L'autre jour, j'écoutais On joue-tu le podcast des jeux de société, puis Benji a dit que It's a Wonderful World, c'était un jeu de deck building. Non? C'est pas un deck building, les gars, là, tu sais. C'est du drafting des cartes. Vous trouvez pas ça drôle? OK, ben en tout cas, dans le podcast, ils ont l'air de trouver ça vraiment drôle, là. Come on, t'es capable, Mathieu, t'es capable. C'est juste une carte, faut juste déchirer. T'es capable, come on. Je sais jamais quoi faire avec mes boîtes d'extension vides. Les jeter? T'es-tu malade? Ce que j'aime avec les jeux de société, c'est justement le mot société. C'est le fait de se retrouver en groupe avec nos amis autour de la table et puis de pouvoir jouer un petit jeu de cartes. Hey, carte posée, c'est carte jouée, Denis. Non, 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 t'as pas le droit de la reprendre dans ton jeu. Hey, il fait ça à chaque fois, mais moi, je joue plus. Ok, je peux pas. Ok, t'as raison, je suis pas capable. J'ai payé cher pour ce jeu-là, j'ai pas envie de déchirer une carte. Chérie, j'avais pas le choix d'utiliser mes 5 $ de points de fidélité, sinon je les perdais. Fait que j'ai acheté pour 450 $ de jeu. Quoi? Tu payes pas tes figurines? Tiens, t'es content? T'es content, là? C'est lequel, toi, ton Martin préféré? Lafrenière, Montreuil ou Wittberg? Je pense qu'il faut que je m'achète un jeu de société. Ouais, je trouvais jamais personne pour jouer à Marvel Dice Masters, fait que j'en ai fait de l'or. Je t'invite plus jamais chez moi.